J'aime bien cette mélo là. Hein. T'as la prod, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Oh, changement de prod. Ce son là, je l'aime beaucoup. Mais voilà, t'as l'impression, c'est Maes. Franchement, tu vois, c'est un peu comme Ben Arfa au foot. Et salam le monde, ça Game Bob, j'espère que vous allez bien. Les gars, bien sûr, on se retrouve pour la fameuse vidéo réaction à l'album de Maes. Oui, l'album de Maes, Omerta, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming en physique. Et les gars, bien sûr, on a déjà réagi à plusieurs extraits de ce projet. Là, je le découvre. On a 55 minutes de son, 20 titres, de nombreux feats, dont celui, bien sûr, de Gims, auquel on avait, déjà réagi. Le titre Malembe, et du coup les gars, bien sûr, on va réagir au projet complet. Voilà les gars, je veux vraiment un maximum de likes. Abonnez-vous si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche, et dites-moi en commentaire déjà votre top, votre flop de cet album, votre avis, enfin bref, je veux vos avis un maximum. Et on est parti les gars, on va commencer directement avec le premier son, qui est l'intro. Ok. Ça j'aime bien ça. Ok. Ah, ça c'est la voix française de Wenzel wow, Denzel Washington, j'ai bugué. On est ce qu'on est sur cette terre. De deux choses à une. Ah, ça ouais, je suis bien d'accord frère. Ok, une intro vraiment simple et efficace, dans le sens où on a le Maes hein, qui voilà, le Maes rap, voilà, comme à la bonne vieille époque, et avec sa fameuse mélo. En plus j'ai bien kiffé l'ambiance aussi du son avec cette prod, et en plus avec la voix issue d'un film là, avec Washington Denzel. Alors j'avoue que je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est le fameux film où il flingue le mec là, comme ça en pleine rue là, une balle dans la tête là je crois. Je dirais que c'est ce film-là, mais j'ai plus le nom. Autant pour moi, les gars, je suis pas un puriste. Ah bah d'ailleurs, le deuxième titre, c'est Frank Lucas. Mais je crois en plus, c'est... Je crois que c'est le film, non? Enfin bon, bref, allez, let's go. Voilà, mon gars, on est dans la sombritude comme jamais. Ici, ça tire fort, on donnera jamais notre cul. Je remonte la pente sans passer par le tire-fesse. Nickname, ni à mes deux fils, la même carrière que Ron. J'ai un vide bon dans la célé. Comme ta gueule, les paysages, moi, je suis trop mécra pour qu'on parle sage, mais... Ouais, un peu comme d'hab, hein. Ouais, là, on était du coup sur un délire vraiment, vraiment brosson. Et ouais, bah, une mélo dont on a l'habitude d'entendre, hein, du côté de Maes, vraiment, c'est un son, tu vois, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Et dans la thématique, bon, voilà, on a compris qu'on était dans le délire un peu, voilà, gangster, mafieux, tout ça. Et de toute façon, je pense, rien qu'en voyant la cover, qu'on va être dans ce délire-là pendant tout le projet. Donc, je lui reprochais dans Real Vie 3.0. Non, on va le savourer, hein, le projet. Hein. Les gars, opaque, troisième. Titre, évidemment, on y a déjà réagi. Quatrième titre, Galactique, qui était, moi en tout cas, mon extrait préféré, voilà, qui était sorti en tout cas. Bon, après, j'avoue, c'est un peu compliqué de le comparer avec Malembe de Gims, mais en solo, c'était vraiment un son que j'avais beaucoup apprécié. Fetty Wap, qui est le cinquième titre auquel on y a déjà réagi. Et on enchaîne du coup avec le titre éponyme du projet en sixième position dans la tracklist, Omerta. Oh, attends, on dirait un délire Booba, dès la prod. Regarde tout le BNF, regarde tout partout. J'ai
fais le fan. Pour que les déportes, tu textes pour ce que j'ai de trois apports. Pas le choix, je fais du sale, pas ça. J'aime bien cette mélo là. Ok. Ah, le, par contre, on a un son très très court, hein. 1 minute 32 le son. Ah, dommage, parce que franchement, là par contre, la mélo, je sais pas, ouais, la mélo là m'a touché direct. Alors, peut-être que c'est une question de goût et de couleur. Mais ah, j'avais vraiment bien kiffé. Ah, dommage qu'il soit trop court, quoi. On enchaîne avec le 7ème titre, Quand t'es là. Il est beaucoup dans la mélancolie, en fait, Maes, hein. Ils ont noirci mon cœur. Je rêve d'aller loin d'être invisible. Quand ça chauffe, y'a personne qui participe. J'suis bien que quand t'es là, prends la seule y'a pour. La prod elle est incroyable, hein. Trop de jaloux qui t'aiment. Si je récupère le dossier, ça va finir en cour pénale. Combien de fois les clients suivent au terre blanc. J'ai quitté la cité depuis longtemps. Pas que les petits sont pressés. Le sourire de maman. Avec ça qui m'a donné. Je récupère la part entière, la prod est tout le booking. Je tombe dans la terre, j'ai enfumé la pièce, je coupe en la mer. Bédo, c'est si dans la tête, y'a les mauvais. Oh, combien de fois les clients suivent au terre blanc. J'ai quitté la cité, on prendra tout, t'inquiète pas que les petits sont pressés. Le sourire de maman, avec son homme j'ai crié. Les condés sont venus péter, j'ai passé la nuit. Ok, alors on est encore sur un son vraiment purement mélo, mais vraiment mélo type Maes en fait. Et même si tu vois c'est une impression d'avoir déjà entendu ce titre, en vrai c'est toujours efficace. Moi perso voilà, le son je kiffe. Et en plus le délire mélancolique et tout, c'est vrai que c'est mon type de son aussi, que j'aime écouter. Ah c'est pas mal hein. On enchaîne avec le 8ème titre, La Pègre, et qui est le premier feat hein les gars de ce projet, puisque c'est un son avec Gazo. On a qualité, produit quantité, personne va me hacker, ils ont trop gardé validé. J'ai fait le tour de la terre, encore contrôle d'identité, pourtant s'il croit qu'on s'amuse, je lui mettrai 5 balles. Si je m'en fous de fois tout. Ouh, la prod est très spéciale hein. Eh, en fait, là, c'est un peu de la Jersey, ça, hein. Ok, alors très surprenant, là le délire de ce son, on est vraiment parti sur de la Jersey Drill, entre guillemets. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment le truc tendance, et Maes qui pose là-dessus, c'est très particulier. Mais je pense qu'à la première écoute, c'est bizarre, mais je pense que ce type de son, là, tu vois, il faut vraiment plusieurs écoutes. Après, ouais, c'est pas mal, Gazo aussi, Gazo, j'ai l'impression de le sentir même encore plus à l'aise sur ce genre de bail. Et ouais, ça matche bien, parce que... ils sont vraiment sur la même ligne, hein, les deux. Je trouve que voilà, c'est beaucoup de mélo, beaucoup auto-tuné, etc. Donc ouais, franchement, ça match. 9ème titre, Velar. Je sais pas comment dire, on va dire Velar avec Cobaladé. Et voilà. Les entrées de Cobaladé, c'est toujours mémorable. Hein. Ça c'est vraiment, là on est dans un type son Zumba Maes. Les ambiances de Cobaladé, c'est quelque chose. Change tous les deux, ma signale. On est dans une villa. J'ai brûlé qu'il y a dans le.
Ouais, donc là, vraiment, un son vraiment Zumba Maes. Là, tu vois, ce genre de son. Ça aussi, je l'ai déjà entendu de la part de Maes. C'est toujours efficace en soi parce qu'il maîtrise tellement bien la mélo sur ce type de son. Kobalade, voilà, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec Koba. Hein. Mais dans la forme, ça passe quand même. Je trouve que ça matche bien les deux parce que là, il y a vraiment deux styles complètement différents. Voilà, je veux dire, dans leur manière de poser, ils ont tous les deux styles différents, mais ils arrivent quand même à ce délire mélodique qui fonctionne toujours aussi bien et qui reste en tête là à la fin du son. J'ai la mélo de Maes en tête, j'ai l'entrée aussi de Kobalade en tête. Bon, après, il a toujours la même entrée, hein. Mais voilà. Après, dans la forme, ça passe, mais dans le fond, je commence à être lassé niveau texte. Hein. Mais bon, après, c'est vrai qu'en général, ce type de son, mélo, tout ça, qui ambiance, Zumba. Tu l'écoutes pas forcément pour le texte. On enchaîne avec le 10e titre, Le Moine. Pour 100 millions de patrimoine, je suis un gosse de la rue, je suis pas un enfant de la patrimoine. Si sur les outils, je combats le mal par le mal. Tu te feras fumer par la chose. Pas les mêmes tessis, mon béton, tous pour les mêmes choses. Je tire comme Omar, Batman, renard. T'as la prod, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Oh, changement de prod! Ok, wow, et j'espère que ça va kicker là. C'est pas pour une verrie, si ça peut être à 6h du matin, faut qu'on Ouh, ça j'aime bien. Ils sont trop matrixés. J'ai fait beaucoup de fils dans l'industrie, c'est le synonyme du succès. 09 produits. Eh mon gars, en deuxième piste là, t'as l'impression que c'est lui, mais en version maléfique, tu vois ou pas? On connaît la victoire, on connaît la peur. Donc quoi, encore changement de prod? Ah ouais, putain. Ah, on part dans trois délires complètement différents. Ah, oh, c'est encore de la jersey ça. Chez nous que des enfants terribles. Cocaïne vient du Pérou. Jamais ça prend la même tour, pas le même gun, le même tour. Oh là là. Ouh. Ah ouais. Ça par contre j'aime pas. Ok, du coup, ouais, le titre Le Moine, belle prise de risque, hein. Ouais, voilà, on est sur un son en 3 en 1, avec 3 instrus complètement différentes. On était parti d'abord sur un délire un peu plus calme, mélancolique, encore une fois, et mélo de la part de Maes. Ensuite, on est parti sur un truc vraiment énervé, kickage, avec la fameuse double piste, avec lui, avec sa voix dont on a l'habitude d'entendre, et la voix un peu maléfique, comme je dis. En troisième partie, on est vraiment parti dans un délire très ambiançant, très jersey, et voilà, dans la tendance hein, du moment. Donc ouais, c'est une prise de risque. Moi j'ai plus préféré la deuxième partie évidemment, mais pourquoi pas. On enchaîne avec le 11e titre, B22 en feat avec Niska. J'ai volé de B22, franchement, ouais, j'ai pas trop accroché. Ouais, franchement, je pense en question de goût et de couleur, tout simplement. J'ai pas accroché, en tout cas, dans cette première écoute. Et j'ai trouvé le son... Il y avait trop de choses. Tu vois, le son, il était pas clair. Enfin, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment une question de goût. Et voilà, tu vois, là, Maes Niska, enfin, même là... La partie de Niska, tu vois, j'ai déjà trop entendu ce genre de bail. Les ambiances, c'est tout le temps pareil. Voilà, là, tu vois, ce son-là, c'est... Tu vois, c'est pour moi, il... Pour moi, il va pas marquer cet album. Après, comme je le dis, c'est toujours à la première écoute. Hein. 12e titre, les gars, Riff.
On est ensemble. Pour faire la bataille, il faut les outils et le papier. J'irai me cacher dans les montagnes, fumer le touché, fumer l'amener. Le barreau, fumer la zone, descend en promenade, tu remontes sur tes ASICS. Minoté, je ressors du dénoté, je ressors du dépôt. Je fais ce qu'il demande à dépôt. Putain d'arrivage de bédo. Bientôt y'a la revanche des putains de salaires. Si bientôt y'a la revanche des putains de salaires. Je suis toujours tombé d'haut. Et la cale de Z, gros bolide AMG. Le poteau, il cherche la scène. Pilon ou CC, j'ai pas peur la faire entrer. Pas les couilles du second tour. J'ai pas peur la faire entrer. En sa mère. Bientôt y'a la rivage des putains de salaires. Bientôt y'a la rivage des putains de salaires. Bah, franchement, ça va. Son assez agréable, mais pareil, j'ai pas accroché. Je pense que voilà, dans la forme, je suis plus trop surpris. Voilà, c'est, j'ai l'impression de me répéter, mais malheureusement ça se répète aussi du côté de Maes, que voilà, je suis là, tu vois, je suis pas dans la surprise, tu vois, par exemple par rapport au son Le Moine, même c'est complètement différent, hein. Mais voilà, là il y a plus trop de prise de risque dans le fond et la forme, ça se ressemble beaucoup. Donc ouais, pour l'instant là, ça retombe un peu là le délire. Du coup, on espère être relancé avec le titre Criminel en feat avec Morad, qui est un rappeur marocain espagnol. Je suis un bédo, je fais du bénéfice. Genre du bendo avec un 7-6. Tu veux euro, t'auras peine de 7-0. Y'a la pesette, les robots, elle a passé les barrages. Y'a que de la parole, de l'aucun métal. Puis sous les mailles, je vois aucun message. Alors Criminel, ouais, pas mal. Là, franchement, pas mal. Ce que j'ai bien aimé, surtout, grâce à ce feat, c'est Morad qui est arrivé. Bah voilà, du coup, il a posé en espagnol, hein. Et ça a ajouté un rythme, voilà, au son. Parce que c'est vrai que Maes, c'est toujours côté un peu plus posé avec sa mélo. Et Morad, il est arrivé, tu vois, il a fait accélérer le son. Et ça a permis, tu vois, de rebooster même le titre. Et avec Maes, à la fin, du coup, qui reprend, bien sûr, la parole. Du coup, avec un côté un peu plus calme. Et tout, et du coup, je trouve qu'on savoure un peu mieux le refrain. Donc, ouais, moi, il est pas mal ce titre. On enchaîne avec le 14e titre, Araï. J'ai fermé après une nuit, je me lève à 10, je suis matinal. Oh. J'étais certifié euro, billet vert avant ma. Oh, il est énervé là. Pour sa mère, je fais du fruchi, c'est écrit si je suis le prochain. Quand on tire, on est précis, crée la peur. Cagoule, les gants font la paire. On n'apporte rien quand on meurt, mais j'investis dans la pierre. Mon la santé fleurie, faut qu'un commis. D'office, cœur noir quand t'es cassé, on répare. Deux fois plus solide qu'au départ. Au casque à rail, puis pour qu'on s'enraye. J'aime bien ta montre. Ce son là, je l'aime beaucoup. Au casque à rail, puis pour qu'on s'enraye. J'aime bien ta montre. Sur ta VV, on t'arrête. Étant donné taille du casier, je connais que le rôle du chasseur. Et bah là, franchement, à rail, clairement. Honnêtement, hein, c'est, je crois, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un vrai son rap de la part de Maes. Mais honnêtement, là, j'ai kiffé ma tête. Il y a une partie dans le son Le Moine et il y a dans Araï, frère, où t'as du rap, quoi. Et là, ça m'a fait plaisir quand il pose comme ça. Après, pareil, tu vois, il manque la punch qui me fait réagir, le truc et tout. Mais dans la forme, franchement, ce son-là, il est survalidé. Hein. Évidemment, on n'enchaîne pas, les gars, avec le 15e titre. Malembe en feat avec Gims, puisqu'on y a déjà réagi, la vidéo est toujours dispo. Mais on enchaîne avec le 16e titre, Haut et Bas. Oh. Un délire mélancolique. Elle et moi on fait la paire, comme le touchy et la lame. Elle m'a fait devenir un père. Les galères, je l'ai fait subir entre la cavale et la tête. Bon, trois enfants, bord de la mer. Hier avant, j'étais là. On se comprend, on est les mêmes. On comprend, on est les mêmes. Farfou, maman, femme ou soeur qui viennent au parloir. Haut et bas. Elle est toujours présente dans les hauts et bas. Elle n'aime pas quand je suis à
communiquant ses jours. Les oh, et ben, elle est toujours présente dans mes doigts. Oh, et ben, elle est toujours présente dans mes doigts. Elle me dit pourquoi tu fais tes aïeux. Franchement, très beau son dans la forme et même dans le fond. Je trouve que là il y a un texte, en tout cas moi perso, qui m'a un peu plus touché. Voilà, il parle de son entourage, tout ça, notamment je pense de sa femme qui est toujours là malgré les hauts et les bas. Et voilà, non, j'ai trouvé là ce son un peu plus touchant que les autres. Et ouais, dans la forme, franchement, pas mal. Surtout la prod, toujours dans cette forme de mélancolie. Et on était dans un délire peut-être un peu plus drill. On enchaîne les gars avec le 17ème titre, Boîte à gants en feat avec Kaina Samet. On a fait des choix sans jamais regretter. Machine arrière, jamais dans mes projets. On compte l'image de nos vies, imprévisible, affamée à tout prix. Des erreurs en chemin qui nous ont fait grandir et à faire la guerre. Je me fais pas prier, c'est quelques blessures. Tu verras rien, on sourit tout le temps. Faudra s'en, mais on sait pas faire autrement. On est pas en c'est l'argent qui fera le bonheur, je te le dis. Et si ça part en couille, en business, je t'emmène la seule ambition d'une feuille morte. Jamais je serai vu comme une vieille merde. J'ai peur du créateur, pas des créatures. Je m'écrave plus la coupe le trois fois. Après tout ce que j'ai connu à mon âge, il me faut trois fois. Hamdoulah, trois fois, je suis papa. Elle est forte, hein, Kaina. Boîte à gants feat avec Kaina Samet. Non, franchement, bah, j'avoue, est-ce que je suis objectif ou pas, je sais pas, parce que Kaina Samet, franchement, c'est une artiste que j'apprécie beaucoup. Et franchement, la plupart des sons où Kaina Samet pose avec voilà, un artiste rap, pop urbaine, quoi. Franchement, moi, tous les coups, je kiffe, quoi. Et c'est vrai que là, sur le refrain, sur la mélo, elle s'amuse beaucoup. Et on sent toute son expérience et tout. Et voilà, et ça match bien avec Maes, du coup, qui se force pas trop forcément sur le côté mélo. Et qui pose, voilà, qui, on va dire, il rapouille, quoi. Et voilà, franchement, moi, j'ai kiffé. Et du coup, ça crée une bonne alchimie sur ce titre. Donc, ouais, franchement, un petit coup de cœur pour ce titre. Hein. On enchaîne avec le 18ème titre. J'ai eu du mal sur le son en solo de Maes, là, la moto. Ouais, c'est un son auto-école, c'est cool. Non, plus sérieusement, ouais, j'ai moins accroché, les gars. Mais ouais, dans la forme, j'ai rien à reprocher, en fait, à Maes. Hein. Mais c'est que j'ai du mal, en fait. C'est un son, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Tu vois, notamment à l'époque de Street et tout, tu vois, j'ai déjà, en fait, tu vois, ces sons-là en tête. Et bon, c'est un peu dommage. On enchaîne avec le 19ème titre, la Honda. Je suis connu dans la zone, connu sur les champs. Je me déplace que pour bénéfice à mes champs. TTM en chasse symphonie en deux temps. C'est le grave évident. J'aime la paraffine. Souvenir effrité. Je connais très bien le prix de ta vie. Du calibre aussi. On a tout retourné en ville. Tu es retourné. On retombe dans la mélancolie avec le titre la Honda. Et ouais, non, pas mal. Il était pas mal, ce son. Il était pas mal. Avec la fameuse mélo incroyable de Maes. Hein. On enchaîne et on termine, les gars, avec le 20ème titre de Maes, hein, dans cet album Omerta. C'est avec le titre Manon. C'est délire vraiment prod piano, ça me fait grave penser au délire de Booba. Hein. Là, le son, je l'ai écouté déjà 15 fois avant, en fait. La mélo, je la connais déjà, frère. Tu veux parler au canon. C'est le volant, bébé, produit tombé.
Ouais, mais bon. Le truc, c'est que le son, on l'a déjà entendu, quoi. Manon, ouais, ok, c'est cool, mais on te connaît déjà, meuf. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, dès le début, dès les... J'ai plus les sons en tête, mais putain, tu vois, cette mélo-là, je l'ai déjà entendue, je sais pas, facile, sans exagérer, au moins 4-5 fois de la part de Maes. Mais vraiment, c'est le même délire, bon, comme par hasard, j'arrive pas à le refaire. Du coup, les gars, mon avis final sur ce projet Omerta de Maes. Un album globalement pas surprenant, dans le sens où, évidemment, que Maes n'allait pas se révolutionner, n'allait pas proposer non plus autre chose de sa part. Là où il y a eu le plus de prise de risque, à mon sens, c'est notamment l'intrusion de quelques prods jersey, qui est vraiment dans la tendance. Voilà, t'as l'impression que ça touche pas non plus, on va dire, sa sphère musicale, puisqu'il est toujours dans le délire mélo, hein, même quand voilà, il y a eu l'intrusion de la drill et tout, il posait toujours de la même manière. Donc t'as même l'impression qu'il pose sur une autre instru et qu'ensuite on lui insère les instrus jersey. Et ça choque pas. Après, bon, à la première écoute, c'est vrai que tu dis ouais, c'est un peu bizarre, mais je pense que si j'écoute plusieurs fois les sons, ça passe crème. Et limite, tu te rends même pas compte que c'est de la jersey. Donc c'est pas un inconvénient, mais c'est pas mal. Mais voilà, on va parler, on va dire, des petites nouveautés. Après, la prise de risque sur le son, c'est le son Le Moine qui est coupé en 3. Voilà, bon, il y a un délire. C'est vrai que maintenant ça se fait de plus en plus. Bon, en 3, peut-être pas non plus. Mais il y a un délire. Il a osé. Et c'est pour ça que je note la prise de risque. Mais après, mis à part ça, les gars, voilà quoi. C'est un album, voilà, on va dire banal de Maes. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien de révolutionnaire. On est toujours dans le côté un peu mafieux. Comme depuis, voilà, l'époque street, l'époque Real Vie 2.0. Enfin voilà, on est toujours dans ce côté très gangsta, entre guillemets, et tout. Voilà, on n'apprend rien de plus. Pour moi, je suis un peu déçu dans le sens où, niveau texte, il n'y a pas forcément une évolution. Voilà, le mec est devenu daron. Il a, je crois, si je me trompe pas, 2 enfants. Peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il a 2 enfants. Voilà, tu vois, je veux qu'il me parle d'autre chose à un moment donné. Voilà, on a déjà fait vite le tour. Dans Real Vie 3.0, moi, c'est ce que j'avais déjà dit. Et dans Real Vie 3.0, c'était même pire parce que je trouvais que même tous les sons se ressemblaient. Là, on a un album, entre guillemets, un peu plus complet, en tout cas musicalement parlant. Mais voilà, c'est bon, il y a les feats aussi qui aident, notamment qu'on a un feat comme avec Gims qui propose totalement autre chose, même le feat avec Kaina Samet. Voilà, c'est des feats qui apportent autre chose. Sinon, les feats par exemple avec Gazo ou encore Kobalade ou même Niska, on reste vraiment dans un délire Maes, donc c'est un peu frustrant. Bon, le feat, notamment, j'allais l'oublier, mais avec Morad, qui propose aussi autre chose, parce que voilà, il y a un feat, on va dire, international. Mais ouais, après, il y a ce côté frustrant, parce que tu sais que Maes, c'est un boss en mélo. Maes, quand il rappe, voilà, c'est loin d'être dégueulasse. Je le classe pas dans les top kickers du rap français, mais pour moi, voilà, moi, j'aime bien le son à rail, pour moi, et il défonce tout, tu vois. Mais voilà, t'as l'impression, c'est Maes. Franchement, tu vois, c'est un peu comme Ben Arfa au foot. Non, mais vraiment, tu vois, sans vanne, c'est, je me dis, on sait que le gars, il est fort, mais on dirait il s'en bat les yeux, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage. Donc après, c'est une question de goût et de couleur, peut-être, hein, mais je suis un peu frustré de ce côté-là. Mais encore une fois, musicalement parlant, voilà, c'est très très loin d'être un projet dégueulasse. Mais c'est le côté où on tourne un peu en rond, on est toujours dans les mêmes thématiques, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est super frustrant pour moi. Moi, je suis pas comme, on va dire, la nouvelle génération qui sont capables d'écouter, en fait, 15 titres. Mais 15 titres d'un projet où il y a 13 titres identiques et pour eux ça choque pas et ils veulent pareil. Moi, les gars, moi je suis de l'ancienne école où je veux un projet où tu me surprends, où tu me proposes autre chose, où il y a un feat, tu dis mais pourquoi ils ont fait ça? Surprends-moi, fais quelque chose. Et voilà, c'est pour ça que je suis frustrant et c'est pour ça que ça, je me prends la tête en fait avec Maes, c'est pour ça. Et voilà, donc je peux pas valider moi le projet perso, les gars. Mais après, en termes de préférence, je le préfère à Real Vie 3.0, mais large. Et voilà, donc je suis un peu frustré par rapport à ça. C'est dommage, hein. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé quand même cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du projet de Maes, votre top, votre flop. Bref, et les gars, n'oubliez pas, hein, c'est que mon avis, ça me concerne que moi. Donc si t'es là à dire ah, parce que un tempo, t'y connais rien,
frère, voilà, ta grande race, tu vois. Et n'hésitez pas, bien sûr, les frérots, à me follow à travers tous les réseaux sociaux, ça fait plaisir. Bref, c'est dingue pas possible, je vous aime, je vous laisse, et je vous fais la fucking bills. Faites la place où tu te prépares, c'est les lions de la classe.